Peut-on trouver une parade à l'envolée des prix du carburant ? À cette question, cet auto-entrepreneur spécialisé dans la gestion des moteurs répond oui. L'astuce, la voici. Je vais modifier le fichier gestion moteur pour améliorer tout simplement le rendement du moteur à bas régime. Donc ce qui va se traduire par une baisse de consommation, qui aujourd'hui n'est pas négligeable vu la hausse des prix des carburants. C'est vrai qu'on est un peu plus sollicité sur ce réglage-là. Connexion, extraction des fichiers informatiques, optimisation de la cartographie et reprogrammation du moteur. Quatre phases suffisent à ce spécialiste formé en Allemagne pour modifier les performances mécaniques de votre véhicule. Là-dedans, on a le fichier gestion moteur qui est logé et on va l'extraire en se connectant sur ces petits plots qui sont là. On a des logiciels informatiques qui nous permettent justement de pouvoir extraire cette cartographie. Entre véhicules légers et poids lourds, l'économie varie d'un demi-litre à 3,5 litres au 100 km. De quoi intéresser certains patrons d'entreprise. J'ai des taxis, j'ai des chauffeurs de taxi qui l'amortissent sur un mois, j'ai des poids lourds qui l'amortissent sur 15 jours. Après, si c'est un client lambda qui prend son véhicule de temps en temps comme les camping-cars ou quoi, donc là l'amortissement il est sur long terme. Un travail de précision réalisé en toute légalité, car ici il ne s'agit pas de booster la puissance. En termes de légalité, c'est vrai qu'en normalement on n'a pas le droit de modifier les performances, mais bon, là on est surtout sur un meilleur rendement du moteur pour qu'il soit plus réactif à bas régime. Ce procédé existe en France depuis une décennie. Dans le Var, ils sont environ une dizaine de spécialistes à répondre à une demande de plus en plus croissante.